Tous et à toutes. Bonjour, Bonjour. Donc c'est Lucas. Hop. On va allumer la lumière. On va peut-être pas très bien. Ça sera sûrement mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on espère que vous allez bien. Donc je suis accompagné de François aujourd'hui, toujours présente. Hop. Et donc on va commencer du coup sans plus tarder, ma foi, pour cette séance de détente. Et c'est parti. Hop. On va mettre un peu de musique. Et après, on sera bien. En tout cas, on espère que vous allez bien ce vendredi matin, à la fin de semaine. On tient le coup, il ne reste pas longtemps. Super. Donc là, déjà, dans un premier temps,
On s'installe du coup dans son siège, son fauteuil, peu importe. On prend une position qui est confortable, qui sera confortable pour l'heure à venir. Libre des droits que tu prends. On va déjà commencer du coup par un échauffement du coup. Donc, une fois qu'on est bien installé, on va lever lentement la tête à son rythme. Un point confortable. L'intérêt, c'est de ne pas aller trop loin. Puis on redescend. Nous allons maintenant tourner la tête à gauche, trouver un point confortable, puis à droite. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe. Et pour les mouvements, prenez le rythme qui vous convient. Un peu. Et on roule. On va maintenant pencher la tête d'un côté. On revient ensuite à la position initiale, puis on penche de l'autre côté. On penche. Et on roule. Cette fois-ci, haussez les épaules. Donc, les bras dans le vide. Les épaules un peu en arrière. Puis, voilà, je monte les épaules tranquillement. Je contrôle la montée et la détente. Et je relâche. Quand je relâche, je peux expirer en même temps. Il va favoriser la détente. J'inspire sur la montée et j'expire sur la descente. Maintenant, je vais simplement tirer les épaules vers l'arrière, serrer les omoplates en inspirant et je reviens en position initiale en expirant. Doucement, à votre rythme. Serre les omoplates, j'inspire et j'expire. Cette
allez sentir un sentiment de relâchement. Je pose mes mains sur mes genoux et doucement je vais lever mes bras à hauteur d'épaule à peu près, sans forcément aller plus loin, et je relâche en expirant. Chacun à son rythme, toujours. Cette fois-ci, je vais lever un bras latéralement jusqu'à hauteur d'épaule également. Puis je relâche. Et je change de bras. J'inspire. Et j'expire. On relâche. Passe mes mains sur mes genoux et là je vais simplement lever les mains et les poser sur mes épaules à un rythme qui vous convient, puis je les repose sur mes genoux. Bien. Là, je vais simplement lever un peu les mains et effectuer des mouvements circulaires comme si j'ouvrais ma paume puis je la ferme. J'ouvre les paumes et je me ferme.
toujours dans la même position. Je vais plier les doigts. Puis je l'étends. Comme si je voulais attraper quelque chose d'invisible et que je le relâche. Bien. Là, je m'avance un petit peu. Puis simplement, avec le bassin, je vais avancer mon buste, reculer les fesses. Et je reviens. J'avance le buste, je recule les fesses. Maintenant, à notre rythme toujours, nous allons lever une jambe, puis la reposer. On n'est pas obligé d'aller trop loin, puis après on change de jambe. Cette fois-ci, avec les jambes tendues, je commence avec les talons au sol, puis je tends mes jambes doucement en inspirant et j'expire et je repose mon pied. D'accord? Et je repose une dernière fois. Toujours les jambes semi-tendues. Je vais écarter les jambes. Thank you.
Cette fois-ci, les pieds à plat sur le sol. Le seul mouvement que je vais effectuer, ça va être de lever le talon. Puis je repose. Et je lève l'autre. Si vous le désirez, vous pouvez le faire avec les deux pieds en même temps. On va croiser les bras, les mains au niveau des épaules. Je vais faire un premier mouvement où je me recroqueville sur moi-même, comme pour me protéger dans une bulle protectrice. Et le deuxième mouvement, je vais ouvrir et je me recroqueville. Je reviens en position ici. Une dernière fois. Et je avant de passer à la série d'étirements, on va passer les mains dans les cheveux, on va caresser le cuir chevelu comme si on voulait se masser le crâne. On explore toutes les parties, l'arrière de la tête, sur le dessus, les côtés. Et on se concentre sur l'impression de détente que cela peut procurer. Encore un petit peu. On va ensuite descendre. Je peux mettre un doigt ou deux au niveau des tempes, voire la main. Et je vais effectuer des cercles circulaires. Des mouvements circulaires. D'un côté, puis je peux changer de sens.
également jouer avec la pression que l'on donne. On peut soit effleurer, soit donner une plus grosse pression. C'est à vous de voir ce que, la détente que cela peut vous procurer. Très bien. On va ensuite passer une main sur l'autre et essayer de chauffer les mains, chauffer les paumes en les frottant l'une contre l'autre. On peut passer même également sur le dos de la main, entre les doigts, pour chauffer toute la partie de la main. Et vous sentez petit à petit cette impression de chaleur qui émane de vous. Comme si cette friction apportait plus de chaleur. Voilà, avec ces mains, maintenant, je vais tapoter un tout petit peu sur le trapèze. Je fais quelques petits tapotements. Et maintenant, je viens attraper le trapèze, puis le pétrir. Essayer d'explorer un petit peu. Même passer en dessous complètement pour avoir vraiment l'impression de peau contre peau. Les mains sur vos trapèzes. Vraiment pour aider à évacuer les tensions. Et je passe à l'autre trapèze. Donc je peux faire quelques petits tapotements. Et comme pour l'autre, je viens l'attraper, puis le pétrir. Et je peux faire glisser ma main sur la jambe, sur ma cuisse, puis revenir. Passer par l'intérieur, l'extérieur. Je peux même, si je le veux, aller explorer un peu en dessous les cuisses. Puis je peux descendre un petit peu au niveau des mollets. Je fais un peu vraiment pour les trapèzes, je viens les pétrir. Et je reviens. Je ferme mes yeux quelques secondes.
Je me concentre sur ma respiration. J'inspire avec le nez. Je bloque ma respiration. Puis j'expire avec la bouche. J'inspire. J'ai pleinement conscience de l'air qui rentre, qui sort. On va pouvoir passer à une petite série d'étirements. Je viens avec ma main sur le côté opposé au bras, puis je viens tirer ma tête. D'un côté. Je reviens et je change de bras. Et je viens tirer. J'essaie d'abaisser les épaules également, d'abaisser l'épaule opposée. Je reviens et on recommence. Je reviens et je passe avec l'autre. Et je pose ma main sur la jambe opposée, puis je viens en torsion avec le regard qui suit ma main jusqu'à un point d'étirement qui n'est ni douloureux ni trop faible. Et je reviens à mon rythme. Et on repart de l'autre côté. Avec le regard qui suit le mouvement de la main. Et je... Thank you.
Je reviens en position initiale. Je pose ma main au niveau des cuisses, puis je viens me pencher d'un côté. Je reviens. Là, je vais simplement venir poser la main sur le coude et tirer le coude. Je reviens et je change. Je le disais, vous pouvez, si vous le désirez, fermer les yeux ou les garder ouverts. Vous allez à votre rythme. Je reviens en position initiale. Je vais maintenant lever le bras au-dessus de ma tête. Poser la main sur l'omoplate. Si je veux, je peux m'aider de mon autre main. Puis je change de bras.
Je reviens et je change. Je vais maintenant entrelacer. Je vais prendre une grande inspiration. Je pousse vers l'avant en expirant. J'inspire et je me lève. Je me grandis. Et je relâche en expirant. Je peux m'avancer un petit peu, passer le pied sous la chaise. Un pied à plat et l'autre avec la pointe qui touche. Là, ça doit tirer les quadriceps devant. Et je peux également me pencher un peu en arrière pour augmenter l'étirement. Je change de genre. Je change une dernière. Et je... vais écarter mes jambes, pieds au sol. Je viens là, avec le dos de la main,
c'est d'augmenter cette étienne. Et je recommence le tir. Je vais poser un talon au sol. J'entends mieux. Et je vais chercher à toucher mon pied, toucher la pointe de pied. Je reviens. Et je passe à l'autre jambe. Je reviens. Je peux le faire maintenant avec les deux jambes tendues. Et je reviens. Je vais maintenant fermer les yeux. Je me trouve une position confortable. Je trouve la position la plus confortable possible. Ferme les yeux. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. À chaque respiration, vous sentez vraiment la détente qui augmente. C'est une position de détente progressive. Vous allez maintenant vous concentrer sur plusieurs choses. Gardez les yeux fermés et laissez-vous guider par ma voix. Concentrez-vous d'abord sur vos pieds, sur la position qu'ils ont au sol. Sont-ils plutôt ouverts, fermés? Dans quelle position sont-ils? Peut-être êtes-vous pieds nus, en chaussettes, en chaussures. Concentrez-vous sur la sensation de contact entre la plante des pieds et son point de contact. Quelle est la surface
qui touche ce point de contact. Essayez de détendre au maximum vos pieds. Ensuite, nous allons monter un petit peu et nous concentrer sur nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos tibias, nos mollets. Dans quelle position sont vos jambes? Avez-vous les jambes plutôt serrées, plutôt écartées? Vos mollets sont-ils relâchés? Quelle est la surface du dessous de la cuisse qui touche le siège? Vous pouvez poser la même question pour vos fesses. Quelle est la surface qui touche le siège? Sont-elles détendues, ces jambes, ces cuisses, ces fesses? Et essayez vraiment de les relâcher au maximum, d'y apporter le maximum de détente. On va maintenant se concentrer sur quelque chose qui est légèrement plus haut. On va monter au niveau du buste. Le ventre, le dos, le torse. Concentrez-vous sur les informations que vous apporte votre corps. Concentrez-vous par exemple sur votre dos. À sa position, ses points de contact, ses éventuelles tensions et de quelle manière ces tensions peuvent-elles partir. Que globalement votre corps a plutôt chaud, froid? Est-ce que vous avez faim par exemple? Concentrez-vous sur toutes les informations que vous donne votre corps. Se concentrer sur les épaules. Et on va tout d'abord essayer de les relâcher au maximum. Et on monte au niveau de la tête. Relâchez votre nuque. Quelles sont les informations que vous apporte votre tête, votre visage? Vos oreilles, qu'entendent-elles? Sur quels sons se concentrent-elles le plus? Y a-t-il une odeur en particulier?
Quel goût avez-vous dans la bouche? Au niveau des mains, où sont vos mains? Comment sont-elles placées? Est-ce que vos paumes de main touchent quelque chose? Est-ce que vos doigts touchent quelque chose en particulier? Concentrez-vous sur le toucher entre votre main et cette chose. Quelques inspirations. Et à chaque inspiration, voilà, nous allons pouvoir revenir de plus en plus au réel. Quand vous l'aurez décidé, vous pourrez ouvrir les yeux, bâiller, vous étirer. Et vous serez, je l'espère, détendu. Voilà. Très bien. Super. En tout cas, je me rapproche. Tchac. Donc, avec François, nous, on en a fini. On espère que vous avez apprécié. Et du coup, on vous dit à très vite pour un prochain Balance ton live. Passez une bonne journée. Très bonne journée à vous et bon week-end. Bon week-end. Au revoir.